Salut les chiffres, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On découvre cette semaine votre cerveau est extraordinaire de Fabien Olicard. Est-ce que ça vaut le coup de le lire? Est-ce que ça vaut pas le coup? Et au final, si vous regardez cette vidéo et que j'ai fait une vidéo, a-t-on déjà la réponse? Et comme je viens de le dire cette semaine, je vous fais découvrir Votre cerveau est extraordinaire de Fabien Olicard. C'est le tout premier livre qu'il a écrit. Et effectivement, au tout début de cette chaîne, il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai fait un livre de Fabien Olicard. C'est Votre temps est infini. Vous pourrez trouver le lien ici, ici, enfin par là, quoi. Dans ce livre, on retrouve plusieurs étapes, plusieurs sujets. Exactement, on retrouve 50, 50 astuces de la vie de tous les jours. Des astuces qui vont de la mémoire au calcul, à la négociation, à un entretien d'embauche, au shifumi. Donc, il y a 50 astuces diverses et variées. Et très honnêtement, ça me fait penser aux vidéos qu'il faisait au tout début de sa chaîne, qu'il avait lancé son défi de dingue de faire une vidéo par jour. Et tout simplement, on retrouve cela au travers de son livre, qui est son premier livre. Mon opinion sur ce livre-là, en fait, elle se passe en deux étapes. Quand j'ai reçu le livre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Clairement, je n'avais pas regardé spécialement ce qu'il disait sur le livre-là. J'ai vu Fabien Olicard, son premier, je me suis dit, j'ai kiffé, votre temps est infini, je l'ai acheté. Je l'ai reçu, je l'ai feuilleté, comme d'hab, et grosse déception. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'espérais un livre comme Votre temps est infini, écrit un peu à cette manière, presque romancé, et mis un peu autour d'outils, où il parle de sa vie. Et ouais, c'était une déception, donc je l'ai laissé dans ma bibliothèque et bisous. Et là, je l'ai repris il y a quelques temps, et je l'ai refeuilleté, avec aucune attente au final, et j'ai fini par, ah ouais, il est quand même bien écrit, c'est joli, il y a des beaux designs, beaux graphismes, le livre, en plus, c'est un outil, donc ça, c'est cool. Et finalement, mon opinion première était fausse parce que je m'attendais à quelque chose qui n'était pas. Je m'attendais à relire un livre comme Votre temps est infini, alors que ce n'est pas du tout la même manière dont il l'a écrit. Certes, Votre temps est infini reste mon préféré, mais celui-là, on retrouve des astuces plutôt très pertinentes. On retrouve la PNL dedans, on retrouve la négociation, on retrouve les mathématiques, on retrouve sa table des matières. Et au final, ça nous amène beaucoup de sujets qu'on voyait en vidéo. Là, de l'avoir sur papier, de pouvoir le travailler chez soi, tranquille, d'avoir vraiment la texture du livre, d'être dedans. Et en plus, le livre, je vous spoil un peu, je vous spoil totalement, mais vous pouvez jouer avec. Il multifonctionne, machin. Et ça, c'est cool, quoi. Et ça se voit qu'au final, ce livre-là, il est travaillé de ouf. De ouf. Vous avez 50 astuces qui peuvent vous servir tous les jours. Et au final, en plus, vous pouvez jouer avec vos amis grâce à ce livre-là. C'est quand même plutôt rare. Et là-dessus, il faut le souligner. Et c'est aussi pour ça que j'ai quand même kiffé ce livre-là. L'objectif, c'est pas de vous référencer les 50 astuces de Fabien Olicard et vous dire ah, un, il aime ça, un, deux, il aime ça. Pas du tout. Déjà parce que je ne vais pas faire un spoiler de son livre. Je ne vois aucun intérêt à faire ça. Donc j'ai décidé de vous faire le top 3 pour moi qui étaient de ces meilleures astuces qu'on retrouve dans le livre. Par le troisième, je l'applique depuis plusieurs mois et honnêtement, ça change tout. C'est tout con, ça change tout. C'est se motiver au réveil. Comment réussir à faire partir une journée du bon pied en étant plein d'énergie? En traînant pas au lit. La première petite astuce, et c'est celle qui pour moi change tout, c'est un seul réveil. Pendant combien d'années, j'avais mon portable avec 15 réveils. Et 15, oui, 15. Pour au final me réveiller. Et en plus, mettre 20 ans à me lever. Tu pars sur une journée de merde. Alors que là, j'ai investi. Ça m'a coûté 4 euros. Un radio réveil avec une pile.
où tu mets un réveil, parce que tu peux en mettre qu'un, ben tu sais que tu dois te lever. Ton cerveau le sait, le comprend. Tu n'as pas le choix. Et tu te lèves facilement. Plus de téléphone dans la chambre. Merveilleux. Une astuce aussi complémentaire, c'est... Alors lui, il utilise la to-do list. Moi, c'est pas ce que je fais, c'est une autre manière. Mais de tout écrire, de tout planifier, tout ça, ça te permet de démarrer ta journée. C'est déjà tout calé, quoi. C'est pas d'arriver le matin, bon, qu'est-ce que je fais? T'as tout fait la veille. T'écris tes machins. Avant de partir, tu le fais à la semaine, comme tu veux. Mais bam, t'arrives à enchaîner. Donc, voilà. Et une autre astuce, psychologiquement, c'est de te dire, certes, là, je vais me lever, je vais y aller d'entrain, mais de toute façon, je vais m'autoriser une pause. Donc, je serai pas fatigué. Et en plus, je vais être efficace, dynamique et passer une putain de bonne journée. Deuxième astuce, la seconde, numéro 2, c'est booster sa créativité. De plus en plus, j'écris, vous pouvez le voir sur Instagram, de plus en plus, je m'autorise à faire des mind mapping plus en plus délirants, alors que je ne sais pas dessiner. Je fais les vidéos. Qui sont plus ou moins créatives, à vous de juger. Mais au final, plus on en fait, et plus on a envie d'en faire, et plus l'inspiration vient. Il évoque plusieurs astuces d'écrire. Dès que tu as une idée, tu le notes, tu prends plein de carnets. Moi, j'en ai toujours sur moi, ou j'ai mon téléphone, mais j'ai toujours un carnet où, j'ai une idée de génie. Bah, les trois quarts, je les réalise pas. Mais au moins, je les oublie pas, elles sont notées, et peut-être qu'un jour, je les réaliserai, peut-être que jamais. Mais en tout cas, ces idées, je les ai, je les garde. Et un jour, je serai très content de me dire, oh génial, j'avais une idée dingue il y a 2 ans. La numéro 1. La numéro 1. Celle que j'ai kiffée le plus. C'est l'oreille de la sentinelle. Qui est à quoi? Qui dit le con? C'est tout bête. Ça, en gros, c'est une de ces techniques de mentaliste. Et en fait, il vous explique que on va prendre un rond, on va prendre une croix, on va prendre trois petites vagues, comme ça. On va prendre un carré et on va prendre une étoile. Et vous allez le faire dessiner à un copain, ou une copine, ou un chien, ou un chat, ou un poulpe. Et en fait, quand le monsieur le poulpe va prendre le stylo, s'il fait un rond, c'est un trait, ça, il va faire clac. S'il fait des vagues, il va faire clac, clac, clac. S'il fait la croix, il va faire clac, clac. Carré. Vous suivez l'idée? Et en fait, l'oreille de la sentinelle, c'est apprendre à écouter. Et au-delà d'apprendre à écouter, ce que j'aime bien au final, c'est d'apprendre à observer le monde, d'être attentif, d'observer, de comprendre ce qui se passe. Dans les discussions, de ne pas être le centre de l'attention, mais plutôt d'être à l'écoute de tout le monde et d'intervenir de manière ponctuelle, manière pertinente, percutante. Et au final, cette astuce-là, l'oreille de la sentinelle, déjà, ça va vous faire kiffer parce que vous avez bluffé vos potes, et en plus, ça vous apprend à écouter votre environnement, et ça, c'est kiffant. Celle-là, ces petites astuces supplémentaires à grignoter, à picorer, c'est le Shifumi. Là, dans le livre là, dans celui-là, de ce Coquinou, il nous donne l'astuce pour gagner, ou en tout cas avoir beaucoup plus de chances de gagner au Shifumi. Très honnêtement, j'ai testé, j'ai un peu plus gagné, j'ai bien gagné. Ouais, j'ai gagné beaucoup. Et ça. Donc, chi, fou, mi. Qu'est-ce que t'avais mis? Ah, j'ai gagné, on est d'accord. J'en ai d'accord. On en a fini pour cette vidéo. C'est vrai que c'était une vidéo un peu plus légère que d'habitude, avec un peu moins de contenu. Mais très honnêtement, ces trois tops là. Des fois, il faut arrêter d'aller chercher plein d'infos et se concentrer sur trois trucs ultra pertinents qui vont vraiment vous aider à vous développer. Qu'on retrouve dans ce livre-là. Honnêtement, achetez-le, il vaut le coup.
Et n'oubliez jamais, je dirais même plus, pensez toujours. Lecture de Rems est une formidable raison de kiffer la life.